Alors, je suis avec la distribution de la traversée de la mer intérieure. Alors, Pierre-François Legendre, Michel Dumont, Pauline Martin et Marc Legault. On est à peu près 2 semaines de la première de la pièce. Parlez-nous un peu de cette nouvelle création de Jean-Roch Gaudreau. Ben là, Pauline, fais-toi aller. Ah, il me fait le coup à chaque fois. Du point de vue de ton personnage, comme tous les acteurs ont fait. Ah non, je sais ce qu'il veut. Là. Il veut que je parle de la pièce. Là, oui, ça, là. Oui. Alors, c'est l'histoire de Rosaire Bouchard, jouée par Michel Dumont. La pièce commence, on voit les deux personnages de Solange Lemieux, que je joue, qui est son assistante depuis au moins au-dessus de 20 ans. Et lui revient de voyage, sa femme est décédée. Et il est allé faire une espèce de voyage pèlerinage de deuil à l'extérieur. Il est parti plus longtemps que prévu. Elle l'attendait beaucoup. On va deviner éventuellement qu'elle a des sentiments pour lui. Ça, c'est ma petite cuisine. J'ai parlé de mon personnage. Mais le fond même de la pièce tourne beaucoup autour du thème de la politique parce qu'on est à quelques semaines d'une investiture de candidature. Elle, ce qu'elle souhaite, c'est qu'il se représente parce qu'il a dû quitter. À un moment donné, la politique, pour des raisons que vous allez apprendre en venant voir le spectacle. Mais toute la pièce tourne aussi autour de l'antagonisme qu'il y a entre ce personnage politique de région et le stratège du parti, joué par Pierre-François, qui vient, à la demande de la permanence, donner un coup de main parce qu'il pense que Rosaire a besoin d'un coup de main et de moderniser peut-être un peu les méthodes. D'ailleurs, moi, je pense que c'est plutôt l'histoire d'un jeune stratège politique. De Montréal, envoyé à Péribonka pour aider un homme de 70 ans qui se représente aux élections. Mais, c'est plus ça l'histoire. Mais, M. Bouchard va demander de l'aide à son ami Paul-Émile Robillard. Pensant qu'il est en santé et en pleine forme. Exactement. Grand intellectuel qui forme, a écrit des livres. Oui, en forme et 50% du temps seulement. Parce qu'à un moment donné, il part dans sa tête et on ne sait plus où il est. Donc, l'aide qu'il devait apporter, sur laquelle Rosaire comptait beaucoup, cette aide-là va lui être à peu près inutile. Dans le sens politique, là, c'est-à-dire pour le fait de gagner cette élection-là. Et moi, je trouve que cette pièce-là, et chez Gaudreau, ça arrive, c'était même dans la maison face au nord, au fond, c'est une histoire d'amour. Oui. C'est une histoire d'amour. Pour Gaudreau, un des thèmes les plus importants, c'est qu'on vieillit, puis les temps changent, mais nous autres, on ne change pas. Ce qui fait que quand arrive un jeune devant un personnage de l'âge du mien, c'est presque incompatible parce que il est en train de vivre ce que mon personnage a vécu à un moment donné dans sa vie. Puis lui, il dit, ben c'est fini. On voudrait retourner en arrière, mais on ne peut pas. Ça, c'est un thème viscéral. Mais Gaudreau aussi, il le dit lui-même, c'est une histoire d'amour sur fond politique. Entre elle et lui, c'est un amour extraordinaire qui n'est pas dit, qui n'est pas vécu en tant que tel. Mais tu sais, c'est ces grands amours qui ne se disent pas, qui restent secrets, qui restent dans la discrétion, avec ces femmes qui sont toujours, toujours, toujours là, présente, même si on s'assoit pas pour dire « I love you ». Il y a ça. Puis à la fin, avec Paul-Émile, il dit son nom comme il faut, là, avec Paul-Émile, c'est la grande découverte qu'ils font tous les deux en même temps, qu'au fond, tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense, ça a eu l'importance du moment, mais ce qui compte puis qui reste éternellement, c'est l'amour. Je trouve ça beau. Et puis, il y a une autre forme d'amour qu'on voit beaucoup dans la pièce, c'est l'amour pour le lac Saint-Jean, pour la région. Oui. Vous venez, Pauline, Michel, vous venez du Saguenay-Lac Saint-Jean. Comment vous retrouvez votre patelin dans cette pièce? Moi, je le retrouve dans le sens que mon personnage, là, je l'ai rencontré souvent au Saguenay. C'est un loose cannon, tout d'un bloc, pas de nuance, qui est heureux d'avoir mis la crotte dans l'organisation politique de lui. L'espèce de bonhomme qui fait « bah » quand il n'a pas raison. Puis quand on l'accule au pied du mur, il fait « bah, ouais, alors, j'ai un de mes frères qui est comme ça, il y en a plein de monde comme ça. » Et moi, je me reconnais dans le sens que le Saguenay, Lac-Saint-Jean, Péribonka, toutes ces places-là, quand j'y retourne, là, je me dis toujours « c'est drôle, ça fait 31 ans que je suis parti de là, puis c'est encore chez nous. C'est encore chez nous, il y a quelque chose. » Puis Pauline et moi, l'accent du coin nous vient absolument naturellement aussi. Ça aide beaucoup. Mais c'est vrai aussi que Jean-Roch vient du Saguenay. Oui. Alors, le texte, là, on n'a pas de misère parce qu'il est déjà écrit de même. La musique est déjà dedans. Exactement. Mais Pauline, elle pogne vite. Non, mais c'est pas tellement... Le problème, c'est pas tellement que je l'ai ici, c'est de l'avoir partout ailleurs. Bien, on a bien hâte de voir ça. Donc, ça commence le 30 octobre. Oui. Sur la scène de Duceppe, la traversée de la mer intérieure. Merci beaucoup. Merci. Merci.